Moi, vous savez, je m'y connais pas beaucoup en art. Une fois seulement, j'ai été voir un spectacle. Pendant mon voyage de noces, j'ai été assister à une soirée de ballet. La vie était si lumineuse. Je me rappelle que nous nous étions préparés, mon mari et moi, et ses chaussures faisaient cruic-cruic. Et on riait. On riait, on riait en descendant les marches de l'hôtel. Et c'était la première fois pour moi que j'allais assister à une soirée de ballet. J'étais encore très jeune à l'époque. Et le spectacle a commencé. Je me suis mise à regarder pour voir le signe et je ne voyais pas. Et c'est là que j'ai tout compris. Une des danseuses a croisé les bras comme ça. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de signe, qu'il n'y aurait pas de vrai signe, mais qu'elle allait faire semblant, vous comprenez? Elle allait faire semblant et j'allais y croire. Elle a vraiment croisé ses bras comme ça et... Mademoiselle, je voulais vous remercier. Je pensais pas qu'on pouvait faire d'une femme si belle un signe si beau. Vous m'avez offert quelque chose, mademoiselle, qui, j'en suis sûre, restera gravé dans ma mémoire. Mais je ne sais pas comment vivre maintenant. Comment vivre avec la joie des souvenirs et l'horreur de maintenant. Comment vivre avec le signe dans ma tête et la pluie et le visage de mon mari.